Si je vous dis le montant du prix qui est offert au gagnant, vous allez peut-être avoir une idée. C'est un montant où il n'y a que des deux. 222 millions. Parce que 222 millions, là, moi, je m'invente une sœur jumelle, hein, quand même. Ouais, c'est que 22 millions. Alors. Non, c'est 222 222 dollars et 22 cents. Et ouais, mais moi, j'ai rajouté des deux pour bien faire comprendre. Et pourquoi je rajoute des deux? Parce que c'est France 2. Non, c'est pas France 2. Parce que c'est deux fois plus. Ah, non. On est dans le 2. Elle va vous expliquer. C'est des jumeaux. Et voilà, ah, bingo. Le monde du 2. Ça marche. Ce sont des jumeaux, ça va pas. Exactement. Ouais. Et l'émission s'appelle Twinnings, qui veut dire gémellité, tout simplement. Gémellité. Diffusée sur la chaîne américaine VH1. Et effectivement, tous les mystères, en tout cas, toutes les questions que l'on peut se poser sur le monde de la gémellité. On s'en pose plein. Et on va dire que c'est un thème qui nous a vraiment tous fascinés depuis toujours. Et bien là, les mystères sont à peu près percés. Mm-hmm. Avec ce programme. C'est une télé-réalité pure jus, où vous avez 12 duos de jumeaux qui vont donc être en compétition, relever des épreuves et des défis pour montrer lequel est, on va dire, laquelle des paires de jumeaux est la plus connectée. Connectée, on entend quoi? On entend les jumeaux qui agissent de façon similaire sur les mêmes épreuves. Alors évidemment, il faut leur compliquer un petit peu la tâche à ces jeunes gens. Et ça, c'est la production qui s'en est occupée, regardez. Hey, you were the same brain, and now we're two brains, so we're like the same brain. Both times my sister got pregnant, I had the morning sickness. Hi, guys! Hi! The world will see firsthand what all 24 of you already know. That twins have amazing, and some say, unnatural powers. We like to call it twin tuition. For the next 10 weeks, you're going to compete in physical and mental challenges specifically designed to test your bonds. Some of you in this group have never spent more than 24 hours apart, but all of that is about to change. Because the only way to truly test the strength of your bond is to separate you. What? No. Ils sont pas mal. Ah oui, des vrais jumeaux, bien sûr. Des vrais jumeaux identiques. Non, alors, non seulement ils sont identiques, je sens que je vous fais mal aux yeux. Donc. Non, pas du tout. C'est quoi, sauf que quand vous descendez de votre scooter, enlevez le gilet de sécurité. J'ai oublié. Excusez-moi. Alors, effectivement, vous voyez. C'est mieux, merci. Merci beaucoup. Voilà, là, c'est bien. Continuez. Donc, vous voyez, ils sont totalement identiques. Et puis, rares sont les jumeaux qui ont passé plus de 24 heures l'un sans l'autre. Et donc, on leur complique la tâche comment? En les séparant. C'est la première fois que ces jumeaux, d'ailleurs, vont être séparés. Alors, ça tombe bien, le vert, justement, parce que vous avez des jumeaux qui vont atterrir dans une maison verte. Ça paraît être un détail, mais vous comprendrez pourquoi ça ne l'est pas. Et les autres jumeaux qui vont atterrir, donc, dans une maison bleue, comme votre veste. Vert et bleu, ça va. Là, le pire, c'est la maison jaune. Alors, évidemment, il y a les fameuses épreuves, là, qui viennent d'être expliquées dans le premier extrait, où il faut qu'ils répondent de façon identique. Mais vous allez voir que ce qui est très intéressant, je fais super vite, je vous jure, c'est troublant. On devrait faire ça à tout le monde, parce qu'on verrait quelle est la couleur qui nous va. Qu'est-ce qui lui va le mieux? Le bleu, c'est ma couleur préférée. Le jaune, ça vous va bien, remarquez. Le jaune. J'essaye vraiment de finir parce qu'il faut qu'on fasse très vite. Eh bien, vous allez voir qu'on suit ces jumeaux et qu'ils agissent pareil. Ils agissent de façon identique et vous allez voir que c'est marrant. Non, mais faites attention aux couleurs des murs. C'est là que vous verrez que vous ne regardez pas la même scène. Couleur des murs. Je ne sais pas quelle est la meilleure. Hey, c'est le gym. I've been wanting to leave my comfort zone. Yeah. So being with my twin, he's my comfort zone. Exactly, I'm like, when I heard we were splitting up, I'm like, cool. You guys think that our twins right now are in the same conversation? No, they are. I'm gonna end this real quick. All right, let's go. My brother is probably doing the same exact right now. 100%, I swear to God. Even though you guys are living in separate houses, you will be competing together as twins. The name of this first challenge is Mind Reader. Ooh. The first four pairs of twins to match 8 tiles exactly win the challenge. Go! The key to this challenge is to know what your twin is going to do. I know all the things that she loves because they're all the things that I love. We should be very much in sync. Our leaders are purple, red, peach, and orange. Il n'y a pas d'acquis. C'est drôle, ça. C'est pas mal. C'est juste dingue. Et donc, vous regardez, c'est dingue. Et puis, ils sont sympas, tous, non? Ils sont très sympathiques. Bonne idée.
Voilà. Vous direz à votre... Laquelle on préfère. Vous direz à votre jumelle. Est-ce que vous pouvez enlever le jaune d'une des deux jumelles? Attention. Ah, c'est plus difficile. Là, ah, là, c'est plus difficile. Ah, vous en avez jamais assez, hein. Non, mais c'est déjà bien. Bravo. Merci beaucoup. Très bonne réaction. Merci. Merci à vous. À plus tard.